Atissou, l'artiste. Vous avez actuellement 8 albums sur le marché, dont le dernier, on peut l'écouter où? On peut l'écouter sur les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, Spotify, Amazon. Adjabel, le groupe s'appelle Adjabel. Adjabel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette grande manifestation aujourd'hui, Haïti, culture, salon du livre Haïti? Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, c'est bien. Et il y a aussi beaucoup de livres, donc c'est bien. Donc, il y a autant de livres que de monde. Donc je pense que les livres vont rencontrer leur public. Et c'est une belle initiative de Josette Bruffartz qui, depuis des années, fait la promotion d'Haïti. Que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau de l'artisanat, de la musique, puisque moi elle me soutient depuis des années, entre autres, et d'autres artistes. Donc c'est vraiment à l'actif de Haïti Futur, c'est bravo, parce que c'est pas facile de mettre quelque chose comme ça sur pied. Et Josette Bruffartz y arrive très bien, on est dans une très belle salle, et Haïti mérite une belle salle. C'est très bien, félicitations. Mais on ne peut pas finir cette interview sans parler de Haïti actuellement et la France actuellement. On voit, il y a le problème manifestation. Quel est votre avis? Mon avis, c'est que ce qui se passe en Haïti, ça fait 40 ans qu'on attend ça. Et que c'est dommage que ça arrive tard. Parce que je ne sais pas si la situation est réversible. Mais si on avait fait cette révolution, je me mets dedans, plus tôt, peut-être qu'on aurait eu encore la chance de pouvoir arranger le pays. Maintenant, le pays est vraiment blessé. Donc je suis très inquiet pour Haïti. En ce qui concerne la France... c'est pareil, la France, si la France continue comme ça, on va finir par devenir comme Haïti. Ouais, c'est triste de voir ça, un pays où il y a 2 semaines, 70 chefs d'État étaient présents pour signer un traité de paix sur les Champs-Élysées. Et maintenant, il y a 2 semaines, ils commencent à faire affrontement. Oui, parce qu'il y a un problème démographique dans le monde. Il n'y a pas eu de guerre depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de monde sur la planète. Mais je pense que l'Europe a les moyens... peut-être d'arranger ou d'essayer de régler les problèmes, les moyens économiques, les moyens énergétiques, tout ça. En Haïti, c'est pas le cas. Il n'y a rien en Haïti. Donc, si jamais on s'oriente vers une guerre civile en Haïti, ça va aller très loin. Et ça sera comme une deuxième révolution, parce que finalement, l'esclavage n'a jamais réellement disparu en Haïti. La bourgeoisie a toujours entretenu un esclavage mental avec le peuple. Mais aussi les hommes politiques. Pour moi, les hommes politiques et la bourgeoisie, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, le peuple en a marre. Les gens ont connu le tremblement de terre. Ils ont vu des gens mourir, la nature. Ils n'ont plus peur. Et ils en ont marre de voir des gens bien vivre, rouler dans des grosses voitures, bien manger, prendre l'avion, etc. Ou faire des fêtes, etc. Et avoir des piscines. Et eux... ils n'ont rien, ils n'ont même pas d'eau pour se laver, pour les enfants, pour aller à l'école. Donc c'est une situation qui n'est pas possible. Il faut que cette révolution aboutisse en Haïti. Je souhaite que ça se passe sans avec le moins de sang possible. Mais voilà, il y a des gens qui doivent quitter le pays parce que c'est les nouveaux colons. Ils ont remplacé les blancs. Je vous comprends, monsieur Atissou. Je tiens à vous féliciter. Et le message sera passé parce que les gens vont l'écouter des milliers de fois. Et puis je tiens à vous féliciter pour votre courage de continuer votre lutte comme toujours là. C'est une leçon que vous donnez à travers cet album pour que les gens comprennent en ce quelques mots qu'est-ce que veut dire être haïtien. Félicitations. Merci et vaudou à toujours là. Ok, merci. Alors pourquoi quand on est dans un milieu déjà relativement intellectuel avec des ponts, on décide comme ça de ne pas se lancer en littérature, mais plutôt de choisir un métier. Et pourquoi celui d'agronome? Bon, il faut dire que c'est toute une histoire. Et à l'époque, en Haïti, quand un jeune terminait ses études secondaires, le choix était très, très, très restreint. Il fallait faire soit la médecine, soit le génie. Et en dernier lieu, l'agronomie, très peu allait vers le droit, dépendant des parents. Alors c'était extraordinaire, et puis quand elle a 9 ans, et puis quand elle a vu l'endroit où nous sommes entrés, elle a dit, papy, je ne reste pas, je n'ai plus d'asthme. J'ai l'impression que de voir l'état de ce dit service d'urgence, il s'est passé quelque chose en elle, un choc, et brusquement elle s'est mise à respirer, et puis on est reparti. Donc c'était vraiment quelque chose de terrifiant.
Donc, il est vrai que, bien sûr, la littérature, c'est autre chose. La littérature, c'est un envol vers d'autres sphères. La littérature, c'est d'écrire, c'est de dire vos émotions profondes. D'ailleurs, marqué votre changement d'éditeur après des années publiées en France chez Vendailleur. Et c'est vrai que sous le double du jeune Carl Vosier, on voit un jeune garçon, donc proche de vous, avec un père intellectuel. Ce père, c'est le sociologue René Victor. Et on a une description d'un garçon qui est, qui est dans les livres, qui est, et d'ailleurs vous dites dans ce livre, aujourd'hui je ne puis penser à mon père sans me souvenir de sa bibliothèque, lieu où mon imaginaire a pris son envol, lieu creusé de ce que je suis devenu. Et pourtant, il n'y avait pas d'œuvre de fiction dans cette bibliothèque. Et ce serait plutôt du côté maternel qu'il y avait des histoires. Et finalement, pourquoi vous avez pris, pourquoi vous avez décollé vers la fiction et l'imaginaire dans ce contexte familial? Oui, c'était vraiment une situation assez particulière. Mon père avait une superbe bibliothèque qu'il gardait toujours fermée. Donc c'était pour moi comme une sorte de lieu interdit. Donc vous savez comment l'interdit attire toujours les enfants. Et bien sûr, je me suis faufilé dans sa bibliothèque. Il n'y avait absolument pas de livre de fiction. Hein. Il y avait uniquement des livres scientifiques, de sociologie, d'histoire. Et je me suis découvert aussi une passion pour l'histoire. Et dans cette bibliothèque, je pense que j'ai appris énormément de choses. Il y avait toute la collection de cette revue de Jean-Paul Sartre, que j'ai oublié le nom. C'était Les Temps Modernes. Il y avait toute la collection, bien sûr, que donc j'ai dévoré tout ça. Mais il n'y avait absolument pas d'œuvre de fiction. Donc en fait, en même temps, j'ai découvert quand même l'amour du livre, l'odeur du papier, l'odeur du livre, la sensation de tenir un livre entre les mains. Et dans cette bibliothèque, j'ai appris toute l'histoire de France. C'était l'histoire du Moyen Âge. Donc j'ai voyagé énormément dans le temps de la bibliothèque de mon père. Mais au niveau de la fiction, c'est vrai que c'est ma mère qui m'a introduit dans la fiction, et j'étais tout jeune. C'était une femme, je pourrais dire, très introvertie, qui n'avait pas trop d'amis, mais elle lisait énormément. C'était une lectrice boulimique, elle lisait de tout. Et tout ce qu'elle lisait, la plupart du temps, elle me les racontait, bien sûr, au fur et à mesure que je grandissais. Et c'est ainsi, par exemple, comme j'aime à le dire, je connaissais toutes les histoires d'Alexandre Dumas sans même avoir lu les romans. Elle me racontait tout ce qu'elle avait lu de Paul Féval, de Michel Vévaco, d'Alexandre Dumas. Je connaissais toute l'histoire du Comte de Monte Cristo sans même avoir lu de livre. Bien sûr, je les ai lus après. Donc c'est elle qui m'a vraiment donné le goût des belles histoires, le goût des beaux personnages, tu vois, les personnages vrais, réels, qui restent dans votre mémoire. Donc j'ai grandi avec ça, avec tout cet univers de fiction. Et puis un jour, il y a donc ce jeune Carl Vosier qui est présenté par son père à un homme de lettres, on va dire, un monsieur paisible, qui trouve que cet adolescent a du talent. Oui. Et est-ce que ça, c'est vrai? Oui, il est vrai que quand même, j'aime toujours à dire, c'est quand même une biographie où il y a quand même un mélange de fiction et de réalité. Parfois, je brode autour de certains faits. Mais c'est vrai qu'effectivement, mon père qui ne lisait absolument pas de fiction, mais il jetait quand même un coup d'œil sur mes textes. Et il s'était dit, écoute, il semble que tu as un certain talent pour l'écriture. Et il était en amitié avec un grand nouveliste haïtien qui s'appelait Félix Courtois, qu'on a un peu oublié en Haïti. Et moi, j'espère un jour qu'on pourrait republier ses nouvelles. Et puis, il m'avait emmené à cet homme, et qui avait commencé par lire mes textes, etc. Et je l'ai un petit peu décrit comme je l'ai décrit dans mon ouvrage. Mais bien sûr, ensuite, j'ai beaucoup brodé par rapport
ce que il y avait pas mal de raconteurs sur ce personnage tout et tout, donc j'ai un petit peu pas pour moi. Le génie, moi les mathématiques j'avais ça en horreur, et finalement il ne restait que l'agronomie. Et je me suis dit, au moins avec l'agronomie, je quitterai le domicile familial, je pourrais un petit peu aller à la campagne d'études comme en sciences agronomiques. Et les années que j'ai travaillé comme agronome, je pense que ça m'a fait découvrir le vrai pays. D'ailleurs, je raconte dans Les Temps de la cruauté. Oui, Le Temps de la cruauté, c'est le troisième volume, de votre autobiographie, mais c'est peut-être là où on comprend le mieux comment justement cette découverte de, exactement, du pays en dehors. Oui. Et si vous auriez pu. Or, c'est dans l'écriture, mm-hmm, à l'époque non censurée, ou vous avez déjà des. J'ai jamais été censuré, je pense, premièrement parce que les premiers textes que j'ai publiés, même sur des thèmes, je pourrais dire, assez dangereux à l'époque, c'était quand même des nouvelles d'anticipation. Et même mon père qui n'aimait pas la fiction disait, heureusement qu'ils ne savent pas lire. Il me répétait souvent. Donc comme c'était quand même sur un autre mot, je l'exprimais dans mes textes, je l'exprimais dans mes chroniques. Et j'ai commencé les chroniques après la chute des Duvalier au journal Le Nouveliste. C'était des chroniques régulières sur tout ce qui se passait. Et jusqu'à présent, je continue sur la même lancée dans mes éditoriaux. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de cette écriture littéraire, vous avez fait passer votre littérature sous d'autres formes. Et je voudrais justement réunir les deux questions. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi des genres qui n'avaient absolument pas place dans le paysage littéraire haïtien, comme le roman d'anticipation, comme le polar, quasiment donc la SF, etc. Pourquoi est-ce que vous avez changé et le mode de communication de l'écrivain, même si les feuilletonistes, on les connaît, mais vous, c'est vraiment des chroniques, des scénarios pour des sketchs, enfin, comme si l'écrivain était carrément au cœur des médias les plus populaires, okay, avec des genres plus populaires. C'est le fruit d'une réflexion, de rencontres. Comment ça s'est fait, ce parcours ? Non, pas du tout. Je pense que cela est dû premièrement à la manière dont je suis venu en littérature. Comme je l'ai dit au départ, c'était les lectures de ma mère. Elle aimait vraiment le roman populaire et je suis venu à la littérature et à la lecture par ce biais. J'ai commencé à publier dans les journaux, donc dès le départ j'ai eu un rapport privilégié avec les médias. Et ensuite, adolescent, moi j'étais un fan de littérature d'anticipation. J'ai dévoré toute la littérature classique en anticipation et fantastique, qu'il s'agissait de Edgar Allan Poe, Lovecraft, je pourrais citer un tas de noms. C'était mes lectures et souvent les lectures vous forment, les lectures vous donnent votre voix, et c'était vraiment ce que j'aimais. Et en même temps, j'ai trouvé aussi que ce mode de littérature me permettait de mieux parler de mon réel à une époque où on ne pouvait parler que par des signes, comme disait quelqu'un. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que j'ai gardé ce goût pour ce genre de littérature. C'est curieuse. À l'époque, j'étais le premier journaliste à écrire sur la musique populaire haïtienne dans les journaux. Avant, on ne le faisait pas. En digne fils de votre père. Exactement. Ça veut dire le compas direct, par exemple, les intellectuels. On n'écoute pas des trucs pareils en Haïti. On écoute du jazz, du classique, mais il y a un type de musique qu'en tant qu'intellectuel, on n'écoute pas. Vous voyez, c'est une forme de posture, c'est ainsi. Et c'est ainsi qu'une fois, j'ai écrit un texte sur les Haïtiens le connaissent très bien, sur Coupé Cloué, qui est un grand troubadour haïtien, un grand musicien haïtien, très connu en Haïti, en Afrique, même dans l'Amérique centrale. Et une fois, j'ai écrit un texte sur cet artiste que j'appréciais énormément. J'avais à peine 20 ans, 21 ans.
Et le rédacteur en chef de ce journal était connu comme un grand homme de gauche, un ancien membre du Parti communiste, tout et tout, c'était sa réputation. Et l'article sort dans le journal. Est-ce que, je ne sais pas, bon, peut-être qu'il l'aura empêché que l'article sorte, je ne sais pas pourquoi, l'article est sorti. Et il me prend un truc totalement qui l'effondre. Il me dit, mais comment veux-tu, nous, intellectuels, nous aimons ce que le peuple aime? Il l'a dit textuellement comme ça devant moi. Et moi, j'ai été totalement ébahi parce que je me suis dit, c'est absolument bizarre, un homme de gauche, communiste, tout et tout, qui me dit, je n'ai pas le droit d'aimer ce que le peuple aime, tu vois. Donc, et c'est ainsi que j'ai écrit ma première nouvelle, qui s'intitulait « L'art d'être intellectuel », où je mets dans la bouche de mon personnage ce que ce personnage bien réel a dit devant moi. Oui, en effet, c'est un événement assez marquant. Oui, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Et à un moment, vous avez parlé des tensions que vous aviez eues avec votre père sur le plan politique, enfin de son attitude par rapport à la société haïtienne. Et il y a quelque chose qui est vraiment récurrent dans vos livres, c'est le rapport au père. Et souvent, le fils est un fils humilié, est un fils qui n'est jamais à la hauteur. Et voilà, je vous demande pas si c'est vrai ou pas, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire cette situation dramatique récurrente dans vos livres. Bon, peut-être c'est... Mais mon père me respectait, il n'y avait pas de ce problème d'humiliation entre mon père et moi, mais c'était plutôt cette cassure. Et comme je l'ai dit, quand j'ai découvert le vrai pays, le pays profond, quand j'ai découvert que ses discours à lui ne correspondaient pas du tout à cette réalité, et je n'ai pas trop bien compris, j'avais vraiment effectivement énormément de problèmes de communication avec lui, même par le fait qu'il ne voulait absolument pas que je fasse une carrière littéraire. Il me disait qu'il fallait faire un métier, on mette du pain sur la table. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un homme démissionnaire, un homme. Et en même temps aussi, il me racontait des. Il avait une opinion très très défavorable, par exemple, sur les exilés haïtiens à l'époque. Et on est en 83, 84. Il avait une opinion extrêmement défavorable sur les exilés haïtiens à l'époque. Et c'était pas un homme qui aimait aussi le Duvalier du tout. Oui, mais il n'aimait pas ceux qui partaient ou ceux qui étaient obligés de partir. Non, 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 c'est pas qu'il n'aimait pas ceux qui étaient partis. Parce que lui également, il était parti. Il a quand même passé des années en... Il a passé quand même des années au Congo. C'est un homme qui a une histoire très particulière. Il a, par exemple, et c'est une histoire que m'a raconté ma mère, on est en 1957, on est peut-être 5 ou 6 mois, bon, on va vers les élections présidentielles qui vont mettre François Duvalier au pouvoir. Et c'est ma mère qui me raconte cette anecdote. Il me dit que mon père arrive avec un discours. Et puis, quand elle voit le discours de mon père, que mon père lui demande de dactylographier, c'est un malade mental, il ne va jamais quitter ce pouvoir. C'est ma mère qui me donne ce témoignage. Donc, c'était quand même un sociologue qui comprenait très bien le pays, qui comprenait très bien les gens. Et dès le départ, il connaissait Duvalier, il avait compris que si cet homme arrivait au pouvoir, c'était une catastrophe pour Haïti. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et en même temps aussi, l'opinion qu'il avait sur les exilés haïtiens qui sont tous revenus après. Écoutez, des années après, je me suis dit qu'il n'avait pas eu raison. Bon, voilà, c'est ça. Alors, on va entrer un peu plus dans l'œuvre parce qu'elle est immense, mais faisons quelques étapes sur des livres qui vous tiennent particulièrement à cœur. Alors d'abord,
Je cite quand même la piste au sortilège qui est parue en 1997 chez Deschamps en Haïti, mais qui nous a fait en France vous découvrir, puisque c'est le premier livre qui est paru aux éditions Vendailleurs, donc plus de 500 pages où on suit votre héros Samson Péripite quitter le monde des vivants pour aller chercher son ami Persée Persifal qui était victime du pouvoir corrompu. Évidemment, la corruption, c'est un mot qui revient très souvent chez vous. Et puis, il y en a un autre livre qui vous tient très à cœur. C'est Le Cercle des Époux Fidèles. Et alors, moi, j'ai eu la chance de voir la source extraordinaire sur les littératures insulaires. Et pour ce site, vous avez lu, Gary, un extrait du Cercle des Époux Fidèles, qui est très beau parce que vous dites « Je me réfugie souvent pour écrire dans la maison familiale perchée sur une colline surplombant par au prince. Ici, je parviens à m'extraire du monde, bien que la demeure soit plongée en plein dans l'urbanisme régressif et délirant de la capitale. Quand ma famille était venue s'installer ici, j'avais à peine 6 ans. Je me souviens encore comment les lieux étaient inhabités et verdoyants. Il n'était pas rare de voir des mangoustes poursuivre leur proie et s'aventurer jusqu'au pas de notre porte. » Bon, je ne peux pas aller très loin, mais en tout cas, vous marquez votre désespoir hein, de voir la nature, la disparition de la forêt, et vous parlez de la douleur et vous dites « Les souvenirs de ce temps perdu me permettent de m'abstraire du quotidien pour plonger dans l'univers de ma création. La douleur est un catalyseur pour l'écriture, douleur du lieu perdu, douleur du lieu désert et silencieux qu'est devenue la maison familiale. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, ce cercle, dans votre œuvre? Eh bien, c'est vrai que pour moi, c'est mon roman fétiche. D'ailleurs, c'est ce roman qui a fondé Maudite Éducation. C'est le même personnage. Pour penser ma vie, pour penser mon lieu, et exercice de réminiscence, pour penser à mon enfance dans un quartier que j'ai vu dépérir, et une montagne que j'ai connue verte, avec ses forêts de conifères. Là, on parle de Morne, l'hôpital. Et exactement, ces forêts qui ont disparu, et je garde toujours en mémoire ce spectacle de cette montagne verte, cette trompe d'eau qui avançait et quand il y avait des pluies. Et jusqu'à présent, je me remémore ces beaux moments. Et puis, bien sûr, dans le Cercle des Époux Fidèles, il y a cette œuvre merveilleuse de Patrick Villers qui est plongée, qui est un mural en plein dans un quartier défavorisé. Pour moi, c'est la plus belle œuvre qu'on peut voir en Haïti, et la plupart des Haïtiens ne savent même pas si cette œuvre est là. Et je trouve que c'est un symbole extraordinaire, un symbole d'espoir qui peut dire que malgré le chaos, malgré ce dénuement, on peut faire des choses extraordinaires. Pour moi, c'est extrêmement symbolique. Et... Parce que ce sont les habitants, n'est-ce pas, qui ont choisi cette murale, ce mur de mosaïque comme ça, a été fait directement avec les habitants de... C'est Patrick Villers qui a choisi le lieu. Et il a fallu, bien sûr, au départ, convaincre les habitants. Mais bien sûr, ils se sont rendus compte que ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, qui pourrait donner une autre image de leur quartier, et ils vont considérer ça peut-être comme une porte ouverte sur le rêve, une porte ouverte sur l'espoir. Et moi, de temps en temps, quand je vais à Pétionville, je vais à Jalousie et je m'assieds devant cette murale, pour moi, qui est une œuvre totalement stupéfiante et peut-être la plus belle œuvre qu'on peut voir à Port-au-Prince. On va s'arrêter aussi un instant sur l'angle des rues parallèles. Alors c'était drôle parce que je me souviens quand j'étais dans un restaurant à Port-au-Prince qui s'appelle Aux Cinq Coins. Et je me suis dit, c'est comme dans le roman de Gary à Port-au-Prince. Aux Cinq Coins.
Donc voilà, on rue parallèle, donc évidemment, ce qui est parfaitement impossible. Et donc c'est la vie sous Aristide. Et c'est un livre que vous avez écrit en 2000 et vous avez fait une note à sa réédition ou son édition française en 2003 pour dire ce qu'il avait provoqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre, Gary Victor? En fait, j'ai écrit ce livre. Il faut dire que c'est sorti un petit peu à la même époque que Le Sangrevé pour Fidèle. Hein. On était vraiment dans une situation chaotique. Alors j'en discutais il y a quelques minutes avec un ami haïtien qui parlait de la situation actuelle en Haïti, cette situation d'insécurité, de violence. Et je lui faisais remarquer que cette même situation d'insécurité, de violence, on l'a vécu pareil en 2001. Hein. Il y avait toujours cette problématique de gang, d'armes distribuées à des gangs qui contrôlaient des quartiers. Il y a des choses que je ne peux même pas raconter en public, des horreurs qu'on a vécues, que j'ai même des images. J'étais rédacteur en chef à l'époque du journal Le Matin. Et on a vécu pratiquement cette même situation. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu premièrement un coup d'arrêt avec, c'est triste à dire quand même, avec la venue des casques bleus des Nations Unies. Ensuite, il y a eu cette période de violence avec une sorte de guérilla urbaine qu'on a appelée chez nous l'opération Bagdad. On est quand même arrivé à une certaine normalisation avec l'arrivée au pouvoir du président René Préval. Mais moi, je m'étais dit que c'était quand même du saupoudrage et que l'armée de faire arriver au pouvoir n'importe quel quidam, ce qui a été le cas en Haïti. Donc ça, c'est voilà, on peut pas continuer comme ça tout au long de vos livres, mais ils sont là. Il y en a un notamment, enfin moi que j'aimais beaucoup, qui était Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin en 2004, donc sur un autre double de celui d'Adam Gesbault qui est dans sa cellule, c'est l'écrivain qui est complètement tiraillé par doit-il écrire pour le pouvoir, doit-il garder son... et qui s'appelle Dieu seul la pénurie. Il est marié à une femme qui s'appelle Anodine, mais qui n'a pas du tout envie de le rester. Oui. Qui le houspille pour essayer de faire quelque chose de sa vie, parce que franchement, son poste de fonctionnaire dans ce ministère, ça suffit pas du tout à ses ambitions. Et en plus, ce pauvre garçon a un père qu'il a toujours trouvé complètement nul. Encore une fois, le thème du père, voilà. Et il va en arriver à être finalement parmi un certain nombre de candidats pour le poste pour un nouveau ministère qui se crée. Et seule la pénurie avait la chose en main. Elle palpitait malgré sa dureté. Il s'étonna de son poids. Elle était menaçante devant lui, pareille à un glaive, prêt à le décapiter. Jamais il n'aurait pu s'imaginer une telle situation. Il aimait les femmes, rien que les femmes. Toute autre pratique eût été chez lui une horreur presque métaphysique. Il chuta du ponton sur le quai et tomba dans l'eau rendue visqueuse et verdâtre par les déjections de la ville. Il ouvrit lentement la bouche, ferma les yeux, sentant la chaleur de la chair à l'intérieur de lui. Il crut percevoir les battements de cœur du président à travers les veines du membre. Les mains du président saisirent frénétiquement ses joues pour lui indiquer le mouvement idéal. Dans un sanglot, il joua de la langue, imitant une succion qui lui procura une sensation gênante, une sorte de légèreté, une apesanteur, un vide. Aussi une impression de fusion, cette chaleur, de la chair qui s'offre et qu'on possède alors, un moment d'intense soumission, mais qui donne en même temps un sentiment de puissance. La bouche capture l'autre, extrait de lui un plaisir en drainant vers le bas toutes les énergies. Coupure du cerveau, chute dans l'animalité. Il était venu finaliser l'obtention d'un poste de ministre, la queue entre les jambes, prêt à se mettre à des prix. Bon,
peut pas tout dire, mais en tout cas, pour la maison d'édition C3, vous écrivez un livre sur la corruption racontée aux jeunes. Aux enfants. Alors aux enfants, donc je ne pense pas que vous leur fassiez... Ah non, pas du tout, ça. Ils disent aux enfants, ils ont peut-être 14, 15 ans, démerdez-vous dans les rues, démerdez-vous, faites apporter de l'argent à la maison. Et c'est très grave, et c'est encore ce problème de précarité, c'est ce problème de chômage, je peux même aller plus loin, c'est le problème aussi de la démission même des églises. Parce que les églises... Après les questions, s'il y en a dans... parmi les auditeurs, je ne sais pas si quelqu'un a... Gary Victor, très contente de vous rencontrer et d'avoir écouté ce que vous nous avez dit grâce à madame. Je suis un peu la représentante du CIFORDOM. Je suppose que vous connaissez, puisque vous avez reçu le prix littéraire Fedkan Maryse Condé 2017 pour le temps de la cruauté. Nous avons d'ailleurs lu votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt, puisque vous avez eu vous-même ce fameux prix mémoire donné par le CIFORDOM, l'initiateur étant M. José Pantoscrobe. Voilà, je voulais vous les féliciter et dire combien nous sommes fiers de vous avoir remis ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a quelqu'un ? Merci. Oui, vous nous avez dit tout ce que l'anticipation vous a aidé à vous construire et à nourrir votre œuvre. Alors, je sais que vous avez conduit un travail avec les lycéens en Haïti qui débouche sur une publication Haïti 2042. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Voilà, merci. Et très, très heureux de que vous souligniez cet ouvrage dont je suis très fier. En fait, chaque année, et Haïti Futur participe à cette expérience, nous avons un grand concours scolaire. On est tourné pratiquement dans toutes les écoles en Haïti. On espère avoir une douzaine de textes fabuleux. Merci. Bonsoir, Gary Victor. Voilà, Oui, ça va, là? Vous m'entendez? Oui. Alors, je suis arrivée un peu tardivement. Je n'ai pas entendu votre premier thème que vous avez abordé là-dessus, le rôle des exilés à Haïti. Sur les exilés à Haïti. Je suis arrivée tardivement et je n'ai pas pu entendre ce que vous avez dit à propos des exilés et de leur retour à Haïti. En fait, c'était l'opinion du père de Gary Victor, René Victor, sur ces exilés. Donc, l'opinion de mon père, c'était pas sur les exilés. L'opinion de mon père, il parlait de sa richesse, de certains politiciens qui avaient été exilés. C'était pas une opinion sur les exilés. Vous comprenez, donc il faut être clair. C'était son opinion sur certains politiciens qui avaient été exilés et qui sont revenus après. Quelle était son opinion? Mais il n'avait pas une très bonne opinion de lui, tout simplement. Mais bien sûr, ce n'était pas général. Moi, par exemple, il y en a peut-être deux ou trois pour qui j'ai gardé une très bonne opinion, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Par exemple, quelqu'un comme vous, Théodore, c'est quelqu'un pour qui j'ai une très, très, très bonne admiration, même si je n'ai pas trop aimé certains de ses choix. Mais il y en a d'autres qui sont revenus. Écoutez, ça n'a pas été du tout un bel exemple pour la jeunesse haïtienne. Il faut l'admettre, il faut l'essayer, on ne peut pas se le cacher. Mais je n'ai rien contre les exilés. Moi, j'ai été exilé après le coup d'État totalitaire. J'ai été exilé politique pendant 5 ans après le coup d'État de 1993. D'accord?
Donc je sais ce que c'est que l'exil politique. Mais on peut parler de certains politiciens exilés. Donc il faut être prévenu. J'ai eu l'expérience aussi en Haïti. J'ai vécu en France de 1974 à 1986. Et après la chute de Jean-Paul Duvalier, j'ai voulu rentrer au pays et me mettre en sortie d'Haïti. Et en rentrant au pays, les gens avaient peur, non pas de ma cour, mais des exilés. Je suis au contraire. Et ceci dans toutes les couches de la population. On était les ennemis des exilés. Alors, ça m'avait beaucoup choqué. Parce que je pensais que c'était mal abordé la question non seulement de l'exil, mais la question aussi du développement d'Haïti. Parce que ceux qui rentrent au pays après avoir étudié, en général, parmi ceux que j'avais fréquentés, en général, ils sont de bonne foi et veulent aider. Moi, je suis passé 4 années en Haïti et puis j'ai baissé la balle, je suis revenu en France. Et ça, effectivement, ça a causé un problème. Ça a causé un problème, même au niveau littéraire. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens qui sont restés en Haïti qui n'ont absolument pas collaboré avec le régime des Duvaliers. Il y a des gens qui sont restés, mais si tout le monde était parti, on n'aurait pas eu de pays. Donc, il y a aussi cette attitude qui est extrêmement mauvaise que de se dire que tous ceux qui étaient restés étaient des collaborateurs, ce qui n'était pas le cas du tout. Oui, mais pour les Haïtiens aussi, tous ceux qui étaient de retour voulaient prendre leur place, étaient soi-disant, se présentaient comme étant plus qualifiés et voulaient prendre leur place. Je dis ça, mais je ne vais pas monopoliser effectivement rejeter un frère ou quelqu'un qui est bien intentionné. Et pourquoi il y a eu cette hostilité-là? Et je pense que si le pays est dans cet état-là, c'est parce qu'on est arrivé à créer cette division entre les exilés, ceux qui sont partis, et ceux qui sont à l'intérieur. Pas même seulement les exilés, hein, pratiquement ceux qui sont à l'étranger, parce que même dans la Constitution haïtienne, il y a cette disposition totalement absurde qui empêche à quelqu'un de briguer certains postes. Oui. Je trouve que c'est absurde. Que ce sont les étrangers qui dirigent Haïti, et ceci avec la complicité, sinon l'acceptation de tout le monde, et les Haïtiens ne peuvent pas... Jacmelienne, j'aime bien le préciser, parce que Gary Victor a été fait citoyen de la ville de Jacmel, donc sud-est d'Haïti. En fait, je vous ai écouté, à un moment donné, vous avez parlé de l'église, ou les églises, en fait, qui, en gros, ne font pas grand-chose ou rien pour vraiment aider à sortir le pays donc, de la situation dans laquelle il se trouve. Je voulais savoir, en fait, parallèlement, quelle est la place du vaudou dans votre œuvre? Je crois avoir lu quand même, si je ne me trompe pas, dans Mauvaise Éducation, une scène où il se passe quelque chose, ou dans un autre ouvrage, excusez-moi, mais je crois avoir vu quand même des choses intéressantes sur le vaudou. Quelle place a le vaudou dans votre œuvre? Et deuxième question, c'est que peut la littérature pour Haïti? C'est une question qui revient toujours, quelle est la place du vaudou dans mon œuvre? Et moi, j'aime à dire que, bon, certains peuvent être choqués, moi, je suis totalement anti-religieux. Donc, pour moi, le vaudou est une religion comme toute autre. Et quand on me dit, certains me disent que c'est avec le vaudou qu'on veut changer Haïti, moi, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a un certain moment, peut-être que les religions jouent un rôle dans le développement économique d'une nation. Bon, on peut toujours philosophie dessus, mais moi, pour moi, une religion, c'est une religion. C'est un lieu de manipulation, un lieu de pouvoir, tout et tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt, je parle plutôt de la culture vaudou. La culture vaudou, c'est aussi Poséidon, dans la mythologie grecque. Et Poséidon, c'est aussi Poséidon, c'est aussi Poséidon, c'est aussi on est en face de phénomènes nouveaux comme une littérature migrante. Je pensais à des auteurs comme Stanley Payan,
au Québec. Ce sont des gens qui ont quitté Haïti à 9 mois, qui se nourrissent d'une tradition littéraire à la fois haïtienne par ses attaches familiales. Son père était prof de littérature, donc il a tout ce rapport à la littérature haïtienne parce que c'est un descendant d'Oswald Durand aussi, par ailleurs. Mais il y a aussi tout ce rapport à la littérature québécoise qui s'inscrit dans ces deux courants. Donc, pour des gens comme Anne-Christophe Bouche, qui écrit en allemand, et dont toute une grande partie de l'œuvre porte sur Haïti. Donc, comment définir est-ce que aujourd'hui, dans un pays éclaté, parce que c'est un pays éclaté, les conditions politiques depuis le début du XXe siècle ont poussé à l'immigration massive. Vous avez 800 000 personnes d'origine haïtienne qui vivent à Cuba, peut-être plus d'un million en République dominicaine, 1 million en Floride. Donc, alors, est en train de se redéfinir ce rapport à l'extérieur qui n'existait pas auparavant. Un géographe comme Georges Anglade, écrivain par ailleurs, mais géographe, et qui lui-même a commencé à percevoir ce phénomène du rôle de cette diaspora. Donc, c'est lui qui l'a qualifié, ce 10e département, ce département en dehors d'Haïti, où aujourd'hui je reproduis. Et d'ailleurs, ce salon du livre haïtien nous le révèle bien que de plus en plus, nous avons des populations, des écrivains, des artistes qui vivent à l'extérieur et se rattachent à ce que j'appellerais ce pays natal comme un lieu d'ensourcement, comme un lieu fondamental pour eux. Parce qu'il y a quelque chose peut-être d'important, ce qui est de la mythologie haïtienne, c'est la révolution haïtienne qui crée ce mouvement d'universalisme qui font que les Haïtiens sont encore des tributaires de cette histoire. Donc, de plus en plus, on va vers des nouvelles définitions. Et quand je parlais de multilingue, c'est-à-dire que vous avez des populations aujourd'hui qui se définissent comme haïtiennes, mais qui n'ont plus presque pas de rapport avec la langue française. Et donc ça, c'est un phénomène qu'il faut voir. Mais la traduction, comme tu l'as souligné, la traduction permet que ces auteurs, pour ceux qui ne sont pas multilingues, d'être accessibles. Justement, j'ai été surprise d'entendre Emily dire « Nous recevons les ouvrages de Nantika, de Roxane Gay, de tous ces auteurs haïtiens qui n'écrivent pas forcément dans une des deux langues nationales, nous les recevons en français. » Et la question que je me posais, c'est le problème aussi de la littérature haïtienne. Est-ce que la littérature haïtienne est haïtienne parce que dans le français ou dans l'anglais, nous avons apporté un peu de soleil avec la langue, une langue qui n'est pas tout à fait le français, mais qui n'est pas non plus entièrement créole aujourd'hui. Et donc le problème pour moi se pose, je me pose la question, est-ce que la littérature haïtienne ne sera entièrement avec la caractéristique haïtienne si elle est en créole? En fait, Nagui, qui n'est pas entièrement en français, c'est pas vrai. Et elle est entièrement en français. C'est un français un peu différent de celui qui se parle à Paris ou de celui qui se parle à Montréal. Mais en même temps, ce serait très très bien, parce que les Québécois sont arrivés à le faire, que beaucoup plus d'Haïtiens se décomplexent par rapport au français. Parce que le français pour nous, c'est un butin de guerre. On ne nous l'a pas donné, on l'a pris. Donc c'est totalement du français, mais c'est du français qui a fait sa route, qui est parlé par d'autres personnes, qui ont une autre réalité, qui ont une autre vie. Donc par rapport à la question, la précédente question, et la littérature, en fait pour écrire, on est dans un rapport avec le réel.
On écrit avec ce que l'on a, ce que l'on sent, ce que l'on voit. C'est les cinq sens qui sont en action. Donc, cette littérature qui s'écrit en Haïti, elle est haïtienne, certes. Et j'ai compris très bien quand Castro a parlé d'une pression qui s'exerçait sur l'écrivain haïtien. Et cette pression, elle est diverse. Par exemple, après le tremblement de terre, beaucoup d'Haïtiens sont venus nous voir pour nous dire « Il faut que vous parliez de nous parce que ce que racontent les médias n'est pas vrai. » Parce que quand il y a des catastrophes de cette envergure, il y a un besoin de sensationnalisme et les médias, ils sont en train de chercher, de voir où est-ce qu'on est en train de piller, etc. Ce qui se passe alors que les Haïtiens, ils étaient là à s'entraider. Ce ne sont pas nos amis étrangers qui sont venus nous apporter les premiers secours après le tremblement de terre. On était en train de s'entraider déjà. Quand les étrangers sont arrivés, ils sont venus aider les étrangers qui étaient sur place. Donc, l'écrivain haïtien, un petit peu plus que l'écrivain parisien ou l'écrivain allemand, il est investi d'une mission, c'est-à-dire celle de représenter malgré lui une population qui n'a pas toujours droit à la parole. Donc on est là, on a cette pression-là qui est importante. Et puis c'est vrai que pendant longtemps, on a surtout cherché dans les livres des auteurs haïtiens leur haïtianité. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est vrai que le réel dont je parle, le réel qui nous permet d'écrire, parce qu'on fait de la fiction à partir de réel, et même quand on est dans la science-fiction, il y a un autre réel que nous inventons, que nous cherchons, mais aussi, je ne pense pas que cette pression aujourd'hui soit la même. La pression, elle existe, parce que vous avez des gens qui s'attendent à ce que l'écrivain haïtien aille dans les médias, donne des entretiens et dise voilà ce qui se passe, ils sont interpellés, ce sont des ambassadeurs à la fois de la culture, mais aussi d'une population qui veut qu'on parle d'elle et qui veut qu'il y ait un autre discours sur elle que les discours qu'on entend en général dans les médias et qui arrangent un certain nombre de personnes. Mais en même temps, cette pression, elle a évolué parce que un écrivain, aujourd'hui, on est dans la littérature, là, on attend de la sincérité de l'écrivain. Donc, l'haïtien, en fait, l'écrivain, on est plus proche d'une aventure humaine, une aventure par laquelle passe forcément une certaine haïtianité que le public est libre de découvrir ou pas, mais un écrivain aujourd'hui aurait tort, selon moi, de chercher à plaire à des concitoyens et des concitoyennes en s'attachant des sujets sur lesquels ils seraient peut-être insincères. Donc, moi, je pense que l'haïtien qu'on cherche aujourd'hui, l'haïtien dont on est fier, c'est pas parce qu'il a la nationalité haïtienne, le passeport haïtien, mais c'est la personne qui se dit, qui écrit un thriller qui se passe à New York, comme le livre de Myrtle de Villemay paru chez Mémoire de Crier, qui est un petit peu passé inaperçu, mais qui se reconnaît comme haïtien. Déjà, on se dit, avec ce nom-là, cette personne-là a une ascendance haïtienne, et c'est cette personne qui se revendique haïtien, ben, dans son histoire, dans l'histoire qu'elle crée, et qu'elle diffuse à la fois pour ceux et celles qui vivent en Haïti, mais qui cherchent d'autres lecteurs à travers le monde. Parce que l'Haïti, quand même, il a évolué, et les différentes migrations ont beaucoup joué, et vont continuer à jouer dans les prochaines années sur ce que nous sommes en tant que peuple en Haïti, et sur la manière dont nous évoluons, et comment nous voulons nous projeter dans le monde. Donc moi, je suis pour cette aventure humaine, et que pour que l'Haïti, l'écrivain haïtien, ne se pas lesté, obligé d'aborder des sujets qui se passent forcément en Haïti. Donc voilà mon point de vue. Pardon si j'ai parlé beaucoup, j'ai tendance à parler beaucoup. Je dirais qu'il y a une pression qui s'exerce sur l'écrivain haïtien aussi de faire ses preuves en français. Il y a eu toujours cette répression de la langue créole, le créole langue jugulée. Officiellement, Haïti, c'est un pays bilingue, mais dans la pratique, les Haïtiens et même les gens très cultivés connaissent mal leur langue. Extraordinaire. C'est-à-dire que en français, par exemple, quand on écrit en français, il faut faire preuve de beaucoup, disons, de rigueur.
Mais dès qu'il s'agit de créole, alors là, il y a une liberté totale. Je ne devons pas fréquenter les mêmes sites, mais quand je lis les sites sur lesquels tu parles, je suppose que tu parles de Facebook et compagnie, que ce soit en français ou en créole, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de négligence et de laisser aller, quelle que soit la langue utilisée. Mais pour revenir à la question que je posais, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs haïtiens qui écrivent dans les deux langues, en français et en créole. Mais se pose la question de la traduction. Alors autant on peut traduire. En fait, la réalité que décrit Castro, c'est une réalité qui n'existe plus. Parce que là, aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs haïtiens écrivent en créole et publient une littérature ou bien des livres tout court en créole en Haïti. Il y a de très très grands écrivains qui, on peut dire, ont contribué beaucoup à ce changement. Et je cite Georges Castra, le très grand poète haïtien qui est malade en ce moment. Donc Georges Castra a beaucoup publié de poésie en créole et Georges Castra a fait école auprès de beaucoup de jeunes poètes. Et il y a aussi des romans très intéressants en créole qui sont sortis ces dernières années. Et Josaphat Large, qui nous a quittés, il a écrit en créole. Donald Trouillot a fait sortir un excellent roman en créole il y a 2 ans qui s'appelle Agacé d'Espérance. Et le prix des chants de l'année dernière, le prix des chants, c'est le prix littéraire le plus vieux qui existe en Haïti, a couronné un roman en créole l'année dernière. Et beaucoup de jeunes écrivent en créole. C'est vrai qu'il y a un problème dans l'édition créole. L'édition créole est souvent à court d'auteur. Parce que, bon, déjà, l'édition en général est un problème en Haïti, mais il y a beaucoup de textes qui paraissent en créole, mais à court d'auteur. Et aussi, on connaît mieux les auteurs français, les auteurs, et là, c'est là que Castro n'a pas tout à fait tort, mais il y a beaucoup d'auteurs qui produisent en français parce que c'est plus facile de publier à l'extérieur en français. Parce que n'oublions pas aujourd'hui, l'écrivain haïtien, il souhaite être publié à Montréal, à Paris ou ailleurs pour des questions de marché. Pour les questions de marché, et comme il y a beaucoup d'écrivains haïtiens connus, comme Donald Trouillot, comme Gary Victor, qui publient à l'extérieur, et ces écrivains sont les modèles de ces jeunes, là, ils veulent écrire en français pour éventuellement essayer de trouver un éditeur. Et il faut évidemment faire le procès des bibliothèques en Haïti, etc., qui n'ont pas suffisamment de fonds en créole, mais c'est une chose qui évolue et il n'y a pas de. En fait, il y a les institutions aussi devraient pouvoir prendre leurs responsabilités. Parce qu'une langue, c'est des contenus. Donc il n'y a pas eu suffisamment, ou il n'y a presque pas, de publication de contenu universel en français. On a publié Le Petit Prince en créole. Et on pouvait publier L'Enfer de Dante, on pouvait publier Shakespeare en créole. C'est un travail à faire parce que les locuteurs créoles ont aussi besoin d'avoir accès à cette connaissance universelle, à ces contenus que tout le monde doit avoir lu. Guy Régis Dumont a essayé de. Il a traduit du côté de chez Swan en créole. Mais il serait important que le locuteur créole ne se sente pas dans la marge et il sente qu'il y a une importance qui est accordée à sa langue, à la langue dans laquelle il écrit, la langue qu'il parle. Donc c'est ça aujourd'hui, mais le créole a pris une place extraordinaire en Haïti depuis 1986. Moi, j'ai grandi dans un pays où à la radio on parlait quasiment pas créole. Et aujourd'hui, il y a à peine 2 à 3% de français dans les médias. Et ce n'est pas rien. Donc c'est de manière totalement décomplexée, parce que quand vous parlez créole en Haïti, vous n'avez pas besoin de parler 2 fois. Il y a tout le monde qui comprend d'un seul coup, parce que tout le monde parle créole. Est-ce qu'on va arriver un jour à une littérature haïtienne traduite du créole? Moi, le problème, je pense que tu as soulevé une question sur Haïti. Le problème, c'est un problème à la fois. Un problème.
qu'on parle de métaphère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fascinant qu'il y ait autant d'écrivains, que ce soit en créole ou en français, qui viennent de Marie-Thérèse. Je vois, je ne dis pas simplement Montréal, je vis une grande partie de l'année en Haïti. Donc, je fais un peu la même. Je vois qu'il y a des éditeurs, quelques éditeurs en Haïti, qui ont fait des efforts incroyables pour produire. Nous, on a eu, je pense que si je regarde le catalogue global de ce qu'on a produit pendant les 30 dernières années, on a quand même peut-être une centaine d'ouvrages à des disponibles. Actuellement, on vient de terminer la traduction du manifeste du Parti communiste dans une série qu'on veut faire sur un certain nombre de textes fondamentaux. Mais il fallait que quelqu'un se dédie à le produire. C'est pas moi qui vais le traduire, mais quelqu'un l'a traduit, on nous l'a offert. On est ouvert à la production de textes en créole. Je l'ai vu, cette transformation, avec un auteur cubain haïtien qui est en train de publier des œuvres poétiques en créole à Cuba. Et on est en négociation pour produire cette œuvre à Montréal vis-à-vis d'Haïti. Il y a des types comme Educavision, qui est un éditeur haïtien, qui est un collègue qui a fait un travail extraordinaire de publication, mais ça, parce que la Floride, l'État de la Floride, le système éducatif est bilingue, espagnol-anglais, français-anglais, et lui, il a décidé de publier Educavision en créole, parce qu'il a un marché qui est le marché bilingue, il y a 1 million d'Haïtiens, il y a les écoles qui achètent les livres, il y a les bibliothèques publiques, et donc, il a pu se consacrer à cette édition bilingue. Parce que le grand problème, c'est l'absence de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources pour l'appui à ce qui devrait être une politique d'État. Regardez que la Constitution, elle est amendée en français, elle n'est pas amendée en créole. Donc, nous, on a ouvert toute une ligne de discussion. Là, j'ai un bouquin de Robert Auriol qui vient de publier, qui ouvre un débat sur la question des langues, sur la question du créole français. On en a publié 3. Mais ce sont des tentatives privées. Et là, je finis sur cette notion d'haïtianité. Qu'est-ce qui font que des éditeurs, du moins à Montréal, hein, des éditeurs décident, dans ce qui n'est pas le plus rentable, de se consacrer à publier sur Haïti? Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je peux retracer cela depuis Nouvelle Optique, depuis Chemin Critique, Collectif Parole, où des gens avaient décidé de publier des fois dans les deux langues. Mais c'est tout un travail qui est fait dans des conditions extrêmement difficiles qui font que des gens décident, malgré tout, qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à Haïti. Et en fait, les obstacles, c'est l'absence d'une liaison organique. Je pense que tout à l'heure, Gary Victor disait, on publie des livres au Canada, mais comment les faire parvenir en Haïti autrement que comme échantillon? Parce qu'effectivement, il faudrait un système de distribution, il faudrait un système de librairie, il faudrait que l'État joue un rôle important pour permettre que ces œuvres qui sont publiées à l'extérieur puissent circuler autrement que sur un mode artisanal en Haïti. Donc il y a toutes ces conditions, parce qu'imprimer en Haïti est un énorme problème, les coûts sont... Écoutez-moi, je pense qu'on a fait c'est un rapport de prix, un livre imprimé au Canada, disons, ça coûterait pour dans les 10 000 dollars, imprimé en Haïti, ça passe au double. Donc alors effectivement, Et il y a aussi que les livres deviennent plus chers quand ils sont publiés à l'extérieur, quand ils sont réintroduits. Le livre, il est écrit en Haïti et publié, on va dire, par les éditions Grasset. Et quand le livre doit arriver en Haïti, il faut compter les coûts du transport, toute une logistique, le livre est trop cher. Et ce que des écrivains haïtiens ont fait, la plupart d'ailleurs de ceux qui publient ici en France, ils demandent les droits pour Haïti et ils font une édition haïtienne qui coûte moins cher.
Donc il y a ça aussi, mais je suis totalement d'accord avec toi, Fanfan, parce que en fait c'est un système qui y a, et ce système n'existe pas, parce que quand on est dans la publication, dans la diffusion, la distribution, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans le domaine des entreprises culturelles, certes, mais entreprises quand même. Et cette structure là, on ne l'a pas. On a quelques maisons d'édition. Elles font ce qu'elles peuvent. D'ailleurs, il y en a de très belles qui ont émergé ces dernières années. Mais en même temps, ce sont des petites entreprises et qui ne prennent pas d'énormes risques. On le comprend, elles n'ont pas les moyens, etc. Mais en même temps, je pense que ça prend aussi une politique publique. Émilie, je ne voudrais pas que l'on empiète sur un des thèmes de demain. Justement, qui est sur tout le marché du livre en Haïti et les problématiques que cela représente. Bon, enfin, en Haïti, nous avons une situation qui est très grave. Enfin, c'est l'interminable transition vers la démocratie, hein, particulièrement au cours de ces 30 dernières années, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier. Eh bien, c'est un pays qui cherche sa voie vers la stabilité. Mais malheureusement, ce pays n'arrive pas encore à organiser des élections viables, des élections honnêtes et démocratiques. La plupart du temps, les gouvernements qui sont installés sont contestés. Il y a un mandat présidentiel de 5 ans, mais généralement, après un an, on est déjà fatigué avec des chefs d'État qui ne sont pas tellement compétents et qui ne sont pas à leur place d'ailleurs, d'accord, des gens qui n'ont pas la formation politique, hein, et qui, je ne sais pas, l'argent qui est investi à travers les élections et qui propulse au pouvoir des personnages bizarres, des personnages caricaturaux. Donc, en tant qu'écrivain, moi, ce que je fais, eh bien, j'écris en quelque sorte sur ces personnages. Comme vous le voyez, par exemple, mes deux derniers livres, les deux derniers livres que j'ai publiés, c'est Caricature de République bananière, d'accord, qui est un mélange d'images sur la politique haïtienne, sur les personnages qui font l'actualité en Haïti. Et il y a aussi des textes à caractère humoristique, d'accord, où je tourne en dérision, bien sûr, les grosses têtes de l'actualité haïtienne. Oui. Mais d'après vous, est-ce que Haïti n'est pas victime d'une politique internationale? Est-ce que Haïti n'est pas victime d'une politique internationale? Eh bien, il n'y a pas de doute à ce sujet. C'est quelque chose qui date même de l'indépendance. C'est-à-dire que, hein, on a dit que l'indépendance d'Haïti a été une anomalie, un défi et une menace. Donc, à partir de 1804, il y a eu ce qu'on appelle un cordon sanitaire contre Haïti. C'est-à-dire les grandes puissances de l'époque, hein, du début du 19e siècle, se sont liguées contre Haïti et ce complot, en quelque sorte, a contribué à faire d'Haïti, hein, ce qu'elle est aujourd'hui. Naturellement, les Haïtiens doivent reprendre responsabilité pour leur échec. Hein. On ne peut pas toujours démoniser l'étranger, hein, c'est-à-dire se décharger de ses responsabilités, mais il faut convenir que Haïti, vraiment, n'a jamais été un pays indépendant. Hein? C'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette menace étrangère, il y a eu toujours ces interventions étrangères dans la politique haïtienne, particulièrement en Haïti vers 1625. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils ont colonisé Haïti pendant près de deux siècles, jusqu'à 1804. Vous comprenez? D'accord. Donc pendant le 17e, le 18e siècle, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu en Haïti? Eh bien, il y a eu le pillage des ressources haïtiennes. Hein, il y a eu l'esclavage. D'accord? C'est-à-dire que, dans un certain sens, hein, la prospérité de la France se basait aussi sur Haïti. C'est-à-dire, Haïti, c'était le joyau de l'Empire français, c'était la perle des Antilles. C'est-à-dire que Haïti, à elle seule, produisait davantage que toutes les autres colonies françaises réunies. Donc là, bien sûr que Haïti a joué ce rôle fondamental en tant que colonie prospère. Donc après l'indépendance, on aurait peut-être dû réclamer réparation pour les deux siècles de colonisation au lieu de payer en quelque sorte, hein, une dette de l'indépendance. Pas du tout. J'aurais même tendance à croire que si Jovenel Moïse est aujourd'hui
président d'Haïti, c'est parce que il a le support des États-Unis. C'est ce que je crois. Sans le support des États-Unis, hein, sans l'intervention de l'ambassadeur, Jovenel Moïse serait probablement en exil aujourd'hui. C'est ce que je crois. Oui, bien, oui. Oui. Bon, merci, c'était clair, c'était ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, il faut encourager les gens à venir. Oui, 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 c'est bien, merci. 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 Alors, bonjour, donc, je viens de sortir mon troisième livre sur Haïti qui s'appelle Le Village. Oui. Aux éditions Le Bec en l'air. C'est un travail que j'ai débuté en 2012 au moment de la construction, le chantier d'un projet d'un village qui allait loger en fait des personnes, des Haïtiens qui avaient perdu leur maison pendant le tremblement de terre. Et c'est le village s'appelle Luman Casimir. Il a été construit à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Port-au-Prince. Voilà. Et c'est en fait chaque année, je retournais en Haïti. À chaque fois, je retournais dans ce village et je montrais un petit peu l'évolution et les problématiques qui étaient liées à ce projet. C'est l'un des rares projets de l'État haïtien de logement locatif. Et en fait, c'est à petite échelle. Ce village concentre un peu toutes les problématiques du pays, que ça soit la corruption, les problèmes de développement, les problèmes d'espace et de capacité aussi du logement en Haïti. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce bouquin ? En fait, alors ce livre, j'ai reçu deux prix, et notamment le prix Maison Blanche qui m'a financé ce livre. Et ce travail à la base, en fait, quand j'ai vu le chantier de ce village, j'étais un peu intrigué parce qu'on voyait, je voyais ces alignements de petites maisons de 25 mètres carrés en carré, toutes colorées. C'était au milieu de nulle part, dans une zone désertique, éloignée de la capitale. Et je me suis demandé quel était ce projet, et je sentais déjà un petit peu l'absurdité de ce projet. Et effectivement, au fur et à mesure, on voit, au fur et à mesure des pages, quand on regarde le livre, on voit que finalement les Haïtiens se démènent et se débrouillent par eux-mêmes, sans l'État, sans des organisations qui ne s'intéressent pas à ce lieu. Et au final, se sont accaparés leur espace et du coup, se sont appropriés leur propre habitat en aménageant leur maison, leur jardin, en ouvrant leur commerce. Donc voilà, ça résume un peu vraiment, ce lieu résume vraiment toutes les problématiques qu'on trouve en Haïti. D'accord, c'est très bien. Oui, je vois vraiment la façon dont vous faites ce livre. Il y a beaucoup de photos sans explication. Dans quel but vous faites ? Alors, il y a un texte introductif au début du livre qui raconte un petit peu le projet. Oui. Et à la fin, il y a une postface de Yannick Lahens, que Yannick Lahens m'a gentiment fait l'honneur d'écrire, et parce que moi je tiens à chaque fois dans mes livres à laisser la place aux auteurs haïtiens. Voilà, donc elle m'a écrit un texte qui décrypte aussi cette problématique dans l'Haïti contemporaine. Jean, il y a vraiment un succès populaire. Exactement, il y a énormément d'auteurs, des grands auteurs, Emily Michel qui est ici, Gary Victor et tant d'autres, et il y a un engouement pour la littérature haïtienne, et aussi un besoin, je pense, de la diaspora haïtienne en France, à Paris, de se retrouver chaque année grâce à Haïti Futur qui organise ce festival et qui permet vraiment de rassembler tous les amoureux d'Haïti, pas que les Haïtiens, mais aussi voilà tous les grands amoureux de ce pays. D'accord. 18 novembre à Port-au-Prince, et j'ai couvert la manifestation, donc je me rends bien compte du mouvement là qu'il y a en ce moment en Haïti contre Petro-Caribé. Et effectivement, en parallèle en France, il y a ce mouvement des Gilets jaunes qui demande aussi la baisse. Alors c'est pas exactement la même demande, mais qui sont liés quand même à une crise économique et aux difficultés de autant des Français que des Haïtiens de vivre en fait au quotidien. Et on a beau souvent donner l'image que la France serait un pays riche et Haïti un pays pauvre, au final ces deux pays sont en crise en fait. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça
ça redonne, ça redistribue un petit peu les cartes et ça relativise cette pauvreté haïtienne qui, pour moi, en fait, cache la grande richesse de ce pays, les grandes richesses, que ça soit culturelles et autres. Et en même temps, on se rend bien compte qu'en France, sous cet aspect de pays riche, qui souvent fascine les Haïtiens d'ailleurs, parce qu'ils aimeraient bien avoir un visa pour venir travailler, on se rend compte qu'il y a énormément de pauvreté, de chômage. Voilà, donc c'est une bonne manière de montrer ces deux pays un peu sous le même aspect. Effectivement, rejeter un frère ou quelqu'un qui est bien intentionné, et pourquoi il y a eu cette hostilité-là? Et je pense que si le pays est dans cet état-là, c'est parce qu'on est arrivé à créer cette division entre les exilés, ceux qui sont partis, et ceux qui sont à l'intérieur. Pas même seulement les exilés, hein, pratiquement ceux qui sont à l'étranger, parce que même dans la Constitution haïtienne, il y a ces dispositions totalement absurdes qui empêchent à quelqu'un de briguer certains postes. Oui. Je trouve que c'est absurde. Que ce sont les étrangers qui dirigent Haïti, et ceci avec la complicité, sinon l'acceptation de tout le monde, et les Haïtiens ne peuvent pas... Je constate que malgré les péripéties d'Haïti, qu'il y a des gens qui créent, qui a de la création, et qu'il y a beaucoup d'intellectuels haïtiens qui travaillent et qui publient. Et ça fait vraiment très honneur à Haïti et à tous ces écrivains. Ouais. Ce que justement, pendant que je suis dans le salon du livre, je vais en profiter pour le dire. Je viens d'avoir une petite discussion, un petit dialogue avec Carrie Victor, qui est un écrivain haïtien très connu. Mais je lui ai dit, les intellectuels ne prennent pas leurs responsabilités pour créer un projet de société pour Haïti, dans la mesure où les hommes politiques ne sont pas capables. Il m'a répondu, on demande aux intellectuels de faire le travail des politiciens. Non, c'est pas ce que je demande aux intellectuels. En 1946, s'il y a eu un début de développement en Haïti, c'est parce qu'il y avait un débat intellectuel en Haïti qui a porté des propositions de changement. Et aujourd'hui, on se trouve dans une carence intellectuelle incapable de penser. Incapable de penser. Il faut que les intellectuels, pendant qu'on est au salon du livre, puissent écrire le projet de société, pas pour eux, pour Haïti. On ne leur demande pas de faire le travail des politiciens, on leur demande de prendre leur responsabilité citoyenne, patriote, d'écrire ce projet de société pour Haïti, en incluant toutes les couches, toutes les classes de la société. Ça n'a jamais été fait depuis 1804, et c'est toujours pas fait parce qu'on a en rupture de pensée, en rupture de pensée pensante. Seule la pénurie avait la chose en main. Elle palpitait malgré sa dureté. Il s'étonna de son poids. Elle était menaçante devant lui, pareille à un glaive prêt à le décapiter. Jamais il n'aurait pu s'imaginer une telle situation. Il aimait les femmes, rien que les femmes. Toute autre pratique eût été chez lui une horreur presque métaphysique. Il chuta du ponton sur le quai et tomba dans l'eau rendue visqueuse et verdâtre par les déjections de la ville. Il ouvrit lentement la bouche, ferma les yeux, sentant la chaleur de la chair à l'intérieur de lui. Il crut percevoir les battements de cœur du président à travers les veines du membre. Les mains du président saisirent frénétiquement ses joues pour lui indiquer le mouvement idéal. Dans un sanglot, il joua de la langue, imitant une succion qui lui procura une sensation gênante, une sorte de légèreté, une apesanteur, un vide. Aussi une impression de fusion, cette chaleur, de la chair qui s'offre et qu'on possède alors, un moment d'intense soumission, mais qui donne en même temps un sentiment de puissance. La bouche capture l'autre, extrait de lui un plaisir en drainant vers le bas toutes les énergies. Coupure du cerveau, chute dans l'animalité. Il était venu finaliser l'obtention d'un poste de ministre, la queue entre les jambes, prêt à se... Bon, et je pense que c'est la troisième édition de ce salon du livre en plein Paris, et initié par Josette Bruffayeur, comme vous le savez, qui est à la tête
d'une association qui s'appelle Haïti Futur, qui œuvre en Haïti pour la scolarisation des enfants, pour le numérique, afin que les enfants haïtiens puissent et être en contact avec le numérique. Et je suis très, très heureux, comme d'habitude, de participer à ce salon du livre. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent d'Haïti, comme le grand écrivain Gary Victor et Madame Émilie Prophète et beaucoup d'autres écrivains haïtiens. Et cette année, je participe en tant qu'auteur. Avant, je participais en tant que spectateur. Félicitations. C'est très bien, monsieur. Alors, vous avez déjà parlé de votre livre, Les Palais du Chagrin, qui explique bien un recueil, on peut dire, en résumé, c'est un recueil de poésie qui est très bien. Vous pouvez nous réitérer? Alors, ce recueil de poèmes a été publié et l'année dernière, et en 2018, cette année, en avril 2018, et le titre, c'est Les Palais du Chagrin. Et c'est mon éditeur, Éric Sauré, qui est à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Astrinobé, qui a publié ce livre. Et c'est un recueil, je dirais, il y a beaucoup de poèmes consacrés à l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, à Toussaint Louverture, à Jean-Jacques Dessalines et à Chalmaï Peralt, dont 2019 sera le centenaire de l'assassinat de Chalmaï Peralt, celui qui avait dit non lors de l'occupation américaine en Haïti. J'ai un poème qui est dédié à Chalmaï Peralt et bien d'autres poèmes consacrés aux femmes haïtiennes et à leur combat, à leur vie. Et bref, plus de 100 poèmes consacrés à Haïti, à l'histoire d'Haïti. Et j'ai fait travailler aussi mon imaginaire et par rapport à d'autres poèmes qui sont publiés dans ce même recueil. C'est très bien. Alors, juste avant d'aller plus loin, je tiens à vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Pour le peuple haïtien. Parce que on sait très bien, sans vous, il n'y aura pas d'ambassade d'Haïti. Non, félicitations. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Il y a beaucoup de gens à l'ambassade d'Haïti à côté qui travaillent. Il y a Madame l'ambassadeur qui travaille. Il y a toute une équipe qui travaille. Et moi, maintenant, je suis au consulat. Nous essayons de mettre sur pied et pour les gens surtout pour que les gens connaissent la culture haïtienne. Parce que vous savez, à Haïti, c'est très facile. On monte sur le net, on publie des images négatives d'Haïti. Et c'est l'une des missions essentielles des missions diplomatiques de la République d'Haïti, de faire connaître la culture haïtienne et surtout les fêtes mémorielles haïtiennes que nous célébrons. Comme tu le sais, au consulat, nous avons inauguré, c'est ce qu'on appelle les vendredis de la culture haïtienne, afin que la cinquième génération d'Haïtiens qui sont nés en France connaissent Haïti. C'est ça l'objectif. Et là, c'est les missions diplomatiques qui travaillent pour faire ça. D'accord, c'est très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive à continuer, parce que je sais que je sais comment ça fonctionne le plus souvent. C'est vrai, vous ne recevez rien en retour. Mais qu'est-ce qui vous motive à continuer à aider les gens à travailler ensemble, à mettre la paix comme ça, monsieur Delva? Parce que nous avons un pays et qui a connu une histoire extrêmement difficile. Il faut toujours faire en sorte pour que les Haïtiens puissent travailler ensemble. Et je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais nos ancêtres nous ont donné ce pays parce qu'à un moment, ils se sont mis ensemble et nous avons accouché l'une des plus belles révolutions au monde. Et ceci a été fait lorsque tous les Haïtiens étaient autour d'une table et nous avons décidé d'en finir avec l'esclavage. Et bien. Actuellement, tout ce que nous pourrons faire de positif pour ce pays doit passer par une tête ensemble de tous les Haïtiens. Quel que soit le niveau, paysan, écrivain, étudiant,
hommes politiques. Tout le monde doit se mettre ensemble, mettre la main ensemble pour une nouvelle Haïti. Et voilà, ainsi que vous avez pu comprendre, ce cinquième salon du livre qui se termine. Voilà, aujourd'hui, bon, j'ai pu vous faire voir la réalité, ce qui se passe sur place avec tous ces artistes et tous ces médias qui étaient là, tout s'est bien passé. Je vous laisserai porter votre jugement sur la situation, sur la psychologie des gens et sur tout ce que j'ai constaté pour vous. Je vous dis merci, à très bientôt sur Clin d'œil Télévision.